Deux galins? Non, deux. Vous n'aimez pas la... Oui. Chanteclair? Oui. Chanteclair? Chanteclair. Reinette Clochard? Reinette Clochard. J'en mets deux aussi? Oui. Rubinette? Et deux binettes. C'est pas mal, ça. Oui. J'ai pris l'habitude d'être seul, mais ce n'est pas ma préférence personnelle. Les gens qui habitent à côté de chez vous, est-ce que vous allez les voir? Non. Est-ce que c'est... Je suis pas quémandeur. Et j'estime que les personnes qui sont autour de chez moi, ce sont en général des jeunes, qui ont d'autres préoccupations, mais si elles veulent pas, elles n'ont pas envie de me voir, elles ont leur raison. Ils ont d'autres préoccupations. Moi, je passe au second plan pour beaucoup de gens. Comment vous savez qu'ils n'ont pas envie de vous voir? Pour que quelqu'un ait envie de me voir, il faut déjà qu'il prenne un contact, au moins téléphonique, ou qu'il sonne à la porte. Et de ce côté-là, je suis suffisamment gâté par des voisins avec qui j'ai de très bons contacts. Ma nièce à côté, bon ben, juste ce qu'il faut, l'un comme l'autre. Du temps de mon épouse, nous recevions ici jusqu'à 15 et 20 personnes à la Noël. Et dans la famille, ça tournait, c'était jamais chez les mêmes. Et puis, cette tradition a continué jusqu'à l'année dernière, jusqu'au décès de mon épouse. L'année dernière, j'ai été invité, mais cette année, je ne le suis plus.
Je reconnais une appréhension de certains. Mais je me force de sortir, sinon après c'est fini, hein, je sors plus. On a besoin d'être seul. De temps en temps, ça fait du bien. Je ne vois pas avec quelqu'un tout le temps, j'en ai déjà eu assez dans mon boulot. Hein. Un peu de calme, c'est pas plus mal. Ça vous manque pas de voir plus de personnes ou rencontrer d'autres personnes, avoir des contacts avec dans le voisinage? Oui, oui. Oh, moi, avec mes voisins, c'est bien. Bonjour, bonsoir, ça suffit. Hein. Quand c'est trop près, faut pas. Parce qu'après, ils vous collent aux pattes, mais j'aime pas. De temps en temps, quand même, quelqu'un, pour pas être complètement isolé, hein, c'est nécessaire. Mais je ne fais pas tellement d'efforts pour rencontrer des gens. Je reconnais que j'aime bien ma solitude. Dans mon propre immeuble, il n'y a pas de contact. Si on se retrouve en bas de l'ascenseur, comme ça, c'est bonjour du bout de lèvres, bonjour, c'est tout. Je ne sais même pas à quel étage il habite, ni comment il vit, ni rien du tout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes isolées dans votre immeuble? La plupart. Et pourquoi vous ne les rencontrez pas? Rien que de mon association, il y en a trois. Alors il y en a un qui, lui, est refermé sur lui-même, il n'y a rien du tout. C'est le bonjour, c'est tout juste s'il répond. Je l'appelle par son prénom en plus. On a déjà déjeuné à l'association ensemble. Mais il n'y a pas de suivi du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de contact. J'ai eu peut-être le tort d'avoir une femme aussi bonne, aussi gentille. J'en sais rien, parce que ça me fait beaucoup, beaucoup de mal de l'avoir perdue. Mais je savais que c'était inéluctable, mais j'arrive pas à surmonter. Je peux pas le surmonter. Pourtant, elle est décédée à un âge canonique. Elle est décédée à 94 ans, mais je n'ai pas pu le supporter. Je sais que c'est inéluctable, je sais qu'un jour, on est tous nés pour mourir un jour. Il y a un commencement et une fin. Mais il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça? Pas du tout. Et vous n'y pensez pas? Pas du tout. Non, mais je l'occulte volontairement. Donc, en m'occupant le mieux que je peux, puis c'est tout, en voyant mes amis quand je peux, puis des petites BA au restaurant, des sorties avec la mairie, avec les associations, j'essaye de faire feu de tout bois dans la mesure du possible. Je meuble le temps. Mais j'avoue franchement, très franchement, que le soir, quand je me couche, ça devient un plaisir. Le plaisir de me coucher et dire que je vais pouvoir dormir, et si je ne me réveillais pas, ça serait pas mal. Pourquoi? Parce que il y a des moments où je n'ai pas du tout une envie de vivre plus vieux. C'est difficile à discerner la motivation. Il y a des moments où je dis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je téléphone ainsi. C'est que j'aime bien avoir des relations téléphoniques avec les uns et voir les amis. Mais il y a des moments où je me sens inutile.
Alors, en sortant de l'hôpital, j'avais un moral à zéro. Et j'ai téléphoné à des associations. Il n'y a pas au-dessus de ça pour vous sortir de la vie. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous remonter le moral. Et ça, c'est important. Et pour moi, ça continue. Ils viennent une ou deux fois par semaine. Ça m'apporte un rayon de soleil de ma vie. C'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça m'apporte envie de vivre encore. Hein. Pas cesser aller. Parce que vous ne voulez pas montrer à tous ces jeunes qui viennent, qui sont remplis d'amour et de gentillesse, une décadence. Et ça vous amène énormément, énormément. Toutes les associations, c'est comme ça. C'est des gens, des bénévoles qui ont un cœur d'or et qui vous aident à vous en sortir. Rien que leur présence, en racontant ce qu'ils font, n'importe, ça vous donne envie de vivre. Quand vous n'avez plus de famille, vous trouvez quelque chose. Même une présence, vous les attendez, vous dites aujourd'hui ils vont venir mercredi, aujourd'hui ils vont venir dimanche. C'est extra. La solitude, à partir d'un certain âge, ça pèse. Ça devient presque une petite maladie, quoi, qu'on le veuille ou non. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est que j'ai plus d'amis, par exemple, ou même des copains que j'avais quand je travaillais dans la restauration. On développe beaucoup de relations, même avec des clients. On sympathise tellement que ça devient presque des amis. Tout ça, ça a disparu du jour au lendemain, depuis que j'ai pris ma retraite. Hein, et je n'ai plus aucun contact avec eux. Ça, je le regrette. Mais c'était moi qui a voulu ça. Et pourquoi vous l'avez voulu ? Ben, j'ai coupé court à tout. C'est plus les mêmes sorties, c'est plus les mêmes connaissances. Il y en a aussi qui ont changé presque de ville ou de village, comme on dit. Maintenant, le peu de relations que j'ai, c'est mon association. Et ils s'occupent très, très bien de moi. Hein. Il y a toujours des contacts, il y a des coups de fil. J'ai vu des reportages à la télé, des personnes qui sont restées 17 ans décédées chez eux avant de découvrir leur corps, leur squelette. D'autres, c'était 7 ans. C'est pas possible que tout le voisinage ne s'est pas rendu compte de son absence. Il y a plus de discussions entre voisins, tout ça. Est-ce que vous, ça vous fait peur que ça puisse vous arriver ? Vous imaginez que ça puisse vous arriver ? Ben justement, avant qu'on me place les bénévoles et puis l'aide ménagère, j'y ai pensé plus d'une fois. Hein. Tous les soirs, j'y ai pensé. C'est inscrit dans mon esprit. Maintenant, je dis, bon, ben, le minimum, l'aide ménagère, c'est deux fois par semaine, donc je ne resterai pas quand même une semaine tout seul. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, par exemple, je ne compte que sur mon association. Je n'ai pas d'autres personnes à appeler.